J'ai découvert sur le site internet qu'il y avait un casting organisé à Tours le 11 janvier, donc aujourd'hui. Et ça m'a passé par la tête de pourquoi pas prendre le temps de passer le casting et puis on verra bien. Je suis pris. Si je suis pas pris, je suis pas pris, tant pis, c'est le jeu. Je suis venu participer au casting parce que je regarde toujours cette émission sur France 3. Je suis un passionné de me croiser, je fléchis, je suis le cul, je suis un passionné sur le jeu, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Le jeu en lui-même, un jeu de lettres, un jeu de réflexion, la rapidité aussi, il y a un petit peu de la compétition entre les candidats. C'est pas la compétition en elle-même qui est intéressante, mais c'est le suspense que ça peut mettre en fait, et l'adrénaline quand il y a des ex aequo ou des choses comme ça. Et puis, bah, pour ne pas mentir non plus, la fin un petit peu du gain aussi quand même. Parce que donc, je suis en recherche d'emploi et j'ai pas de revenus. Donc, c'est pas négligeable si je peux aller le plus loin possible dans le jeu. Quelques semaines, je suis en recherche d'emploi. Donc, j'ai un peu de temps aussi pour regarder la télé. Je suis tombé sur Slam et je trouvais ce jeu très intéressant. Je me suis dit pourquoi pas passer la sélection. Ça s'est bien passé ce casting, vous avez trouvé que c'était un moment sympathique? C'était très sympathique, il y avait une très bonne ambiance. Par contre, bon, maintenant, il faut attendre le résultat final, savoir, parce que c'était quand même pas simple, parce qu'il y avait très peu de temps pour répondre aux questions. Vous ne seriez pas trop déçu si vous n'êtes pas pris? Non, ouais, je repasserai, une autre fois, j'essaierai une autre fois à répondre à vos questions. Voilà. Ça ne me gênerait pas. Bon, bien sûr, je préférerais être pris, mais enfin, il faut pas rêver. Hein. Il y a X candidats, je sais très bien qu'il y a peu d'élus par rapport aux gens qui se prennent compte. C'est quand même aléatoire, il y a beaucoup de monde, on était quand même une trentaine, donc je pense que ça peut se jouer difficilement, donc on verra bien si je suis appelé. Ça sera avec plaisir d'y aller à Paris. C'est la première fois que vous feriez une télé? Non, c'est la seconde fois. J'avais déjà fait un jeu télévisé en juin 2008. Et ça m'avait bien plu, l'ambiance du plateau télé, ça m'avait vraiment bien plu, donc voilà. C'était quoi ce jeu? C'était Question pour un champion. Donc si jamais vous n'avez pas de nouvelles de nous dans un an, vous pouvez repasser la sélection. On aura l'occasion, j'espère, de revenir dans cette belle ville de Tours. Voilà.